Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous sommes donné rendez-vous à Vizil. Nous allons nous balader dans l'Oisan. On va aller à Villarrocula, l'Alpe d'Huez, le col de Sarène, retour à Oris-en-Oisan. On se fera deux routes du vertige et on aura bien travaillé. Aujourd'hui, les motards fêtards seront 4. Paul et sa moto, sa compagne avec sa 125, Jean-François et moi. Je vous mets deux photos de la balade que l'on va faire. La deuxième, un peu plus grosse, comme ça, ça vous donnera une idée. Je vous mets l'itinéraire en description. Nous arrivons aux portes de l'Oisan, aux 6 vallées. On va tourner à gauche, direction Almont. En allant en face, on va au barrage d'Almont. Nous allons tourner à droite. Direction Villarrocula, les deux routes se rejoignent, mais nous serons un peu plus à l'ombre. La route du barrage est à gauche, là où il y a la moto. Nous, on continue et je vous mets une petite photo du barrage. La voici. Les hostilités commencent. On attaque la grimpette. Un œil dans le rétro pour voir si la 125 est toujours là. On ne sait jamais s'il y a un souci qu'il faut qu'elle pousse. Je fais une petite halte pour attendre Sandrine qui arrive avec la 125. Paul est passé devant, c'est que tout va bien. Je m'arrête là pour regarder la vue, mais pas de chance, il y a trop d'arbres. Et on s'arrêtera à Villarrocula. On prendra quelques photos et la vue, elle sera là. Il n'y a pas trop de monde, il fait super beau, le soleil est là, quelques photos avec la vallée en bas et nous sommes partis pour faire la première route du vertige. D'ici, la vue est magnifique. Avec tous ces sommets autour de nous.
on aurait pu s'arrêter ici, mais j'y ai pas pensé. Tant pis, la prochaine fois. Petite visite du village avec ses pots de fleurs et ses ralentisseurs. On peut rien y faire. On attaque la route à flanc de montagne, direction Uez. La route est jolie, mais c'est pas la plus impressionnante. Mais bon, quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre quand même. Il faudrait venir le jour où il y a la mer de nuages. Et là, ça change tout. Pour s'arrêter, je ne connais pas bien les endroits. Comme je n'y viens pas souvent et comme nous sommes quatre, il faut préméditer la chose. Et là, il y en avait un, mais trop tard. Nous arrivons à Uez. L'aménagement ne doit pas être aussi vieux que ça, parce que ce n'est pas encore fini. Traversée d'Uez, et en bas, on prendra à gauche direction l'Alpe d'Uez. Nous avons retrouvé la nationale qui monte à l'Alpe d'Huez, la route du Tour de France. C'est sûrement la remontée mécanique qu'on a vue à Uez. Ça fait je sais pas combien d'années que je ne suis pas remonté à l'Alpe. Et du coup, le changement, c'est radical. Nous, on va tourner à droite, direction les bergers. On va pas en face au virage numéro 1 de l'Alpe d'Uez. On prend l'autre côté. Thank you.
on va arrêter notre vidéo à l'Alpe d'Huez. Ça va être trop long de faire la balade complète. On va faire une deuxième, voire trois vidéos. Ça sera plus logique. Petit arrêt en attendant les copains qui arrivent avant d'arriver à l'Alpe. Je vais m'arrêter sur le parking à droite et attendre mes amis. La deuxième vidéo repartira d'ici et nous irons direction le col de Sarène, Misoin, Ourisson-Oisans et la Garde par la deuxième route du Vertige qui sera plus impressionnante que la première. Je vous dis à la prochaine pour la suite.